Merci, Farah. Je vous devais bien ça. Non, c'était plutôt l'inverse. On est quitte, alors. Que la chance nous sourie à tous. À bientôt, capitaine. En selle, soldat, on s'en va. Kate, je suis désolé, je pouvais pas... John, c'est rien. Non, c'est ma faute, j'aurais jamais dû les laisser. Arrêtez ça, je vais bien. Ok. C'est pas le plus important. Les missiles n'étaient pas en Espagne, seulement les systèmes de guidage. Les systèmes de guidage? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Les Russes. Ils sont où maintenant? Sur les missiles. Et mis à part Hassan, il n'y a qu'une seule personne qui sait où les trouver. La Casa de Sinombre? Non. Un nouveau lugar tenientes. Un lieutenant du cartel. Órale, güey. ¿Estás aprendiendo? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Conviés de force? Ouais. On y parle de quoi? De nous. La Salma se brûle, et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. Elle s'innombrait sera là, non? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut El Sinombre vivant. Alors... faut qu'on le rencontre. Comment? On va leur donner ce qu'ils veulent. Des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne? Tout à fait. Là, nous devrons entrer, trouver le boss, et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, hermano. Ouais, bah je prends le risque. On est venu pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombre. S'il est là, on le chope. Mais dis donc, tienes huevos, cabron. Mais si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des shadows en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Shadow en vol stationnaire. Bien reçu. Je suis en place. J'ai de la place pour me poser sur le toit. Ok. Je vois deux gardes armés devant la porte. Alejandro, comment ça se présente? Un vaquero à l'intérieur. Putain, comment vous avez fait ça? Avec violence. J'ai saupe en visuel. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'il le voit? Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Hermano. Alejandro? Comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout? Oui, tout. Les forces spéciales mexicaines, les soldats SNP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom? C'est bien lui? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? Suis-moi. Je veux voir El Sinombre. Il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Dégage de mon ascenseur, bordel. Ici, c'est chez moi. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Le plus important encore... tu dis la putain de vérité. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer aux chiens. Avance! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout.
respecte les putains d'ordre. La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. La Salmas est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Et c'est pour ça que le boss est là ce soir. Elle s'est nombrée ici. Non. Mais la sicaria personnelle du Cid Nombré, oui. Valéria, en voilà un autre. Un gringo. Avant, je dis. Assieds-toi. ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No tenemos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va es así, eres tú. ¡Niños! C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués? C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. Fuerzas especiales. Mais comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Vous voyez? J'avais raison! C'était les gringos! Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company? Comment je peux le prouver? Et toi alors? T'as une preuve? Regarde dans ma poche. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Philip Graves. Philip quoi? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les missiles que vous transportez. Comment il est au courant de ça? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Con placer, Valeria. Je vous en prie, je veux pas mourir. Qué bonito.
que vivent ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on va là-haut. Allez, güero. Que les choses soient claires, on va pas finir avec toi. El Sin Nombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Allons-y. Allez. Allez, par ici. Par ici, güero. On monte. Dans l'ascenseur. Allez. Los vaqueros están moviendo bien rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el Sin Nombre. Quand est-ce que je verrai el Sin Nombre? Valeria doit aller parler avec le boss, là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'El Sin Nombre aura très envie de te parler. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. Órale, me encargo d'él, güey. Te necesitan afuera. Ok, il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. El Sin Nombre est dans la suite, au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Prends ça. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? El Sin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouve El Sin Nombre et finissons-en. Terminé. El Sin Nombre tiene alguna respuesta ya? Sabemos quién lo... ¡Dime algo! Nada por aquí. ¡Te copio! T'es dans une zone défendue. Les gardes ont ordre de tirer à vue. Central, C1. Voy hacia la armería. Je suis au premier étage. Diego est dans la salle des offrandes. Elle doit être quelque part à cet étage. Entendu. Attention, quelqu'un le voit. J'ai trouvé la tente de Diego. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Pas mal. J'ai trouvé une arme silencieuse. Bien, tu vas pouvoir tirer sans te faire repérer. Croyez-vous ça? Alejandro, j'ai trouvé Diego. Bien sûr. Cette foutue
SMP américaine est dans notre putain de ville. Soap, ce trahier monte jusqu'au toit. Qu'est-ce qu'on fait de la carte de Diego? C'est toi qui vois. Je grimpe sur le toit. Bien sûr, je serai juste derrière. Je vois plusieurs cibles là-haut. Va falloir s'en occuper. Décroche, allez, écoute. J'ai un problème. Responde. Écoute, je l'aime. Le penthouse est dans le coin nord. Deux cibles. T'en prends une, je m'occupe de l'autre. Je m'en occupe. Ne perds pas ce couteau, hermano. Le toit est dégagé. Entre dans le penthouse, je te couvre. Les gardes savent que je suis là. Le rez-de-chaussée est tranquille, ils le gardent sous contrôle. Attila, centrale. J'ai trouvé une arme. Attention, hermano. Le moindre bruit mettra tout ce beau monde sur notre race. Elle s'est innombrée dans le penthouse, dans le coin nord. Ne tire qu'en dernier recours. Mieux vaut éviter que ça parte en fusillade. Infiltre le penthouse, Johnny, dans le coin nord. C'est verrouillé. Prends l'échelle. Vois si tu peux accéder à l'ascenseur. L'ascenseur est par là. Tu peux faire fonctionner l'ascenseur. On va vite le découvrir. On descend. Fais-nous descendre. Faut qu'on atteigne le deuxième étage. Bouge plus. Appuie sur le déverrouillage d'urgence. La porte est ouverte. À toutes les équipes, on va vers le penthouse. Tenez-vous prêts. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse? Fais-moi confiance. Identification. C4, j'ai un nouvel invité pour le boss. Ramène-toi. Dépêche-toi, hermano. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets seront en place. S'il nombrait, vous avez envie de recevoir un nouvel invité? Bon voyage. Oui, bien. On peut commencer. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, El Sinombre. Valeria? T'es sûr, hermano? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Sinombre se fait passer pour une sicaria. On entre. Vous êtes prêts? Ok. Ghost? Prêt. Il nous la faut vivante. Mon nom est Valeria. Cachée à la vue de tous. Cachée? Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Mon pote, tout va bien? Valeria! Je la connais! Oh!
Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux? Se connaître, c'est un grand mot. Las palabras fuertes son importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡De la verga, hija de puta, que te voy a matar! ¡Oh, oh, oh! ¡Du calme, commandant! ¡Ouais! ¡Ouais! Vamos, dis-leur. Personne me donne d'ordre. Même les clefs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. Des narcos qui protègent un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro! Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de Las Almas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant, vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'ancre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de 3 bateaux pour une élimination simultanée des 2 cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces.